Yo tout le monde, Steiner. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite présentation de l'application sur iOS, parce que je l'ai sur iOS. Elle est disponible aussi sur Android, de Utip. Utip, c'est quoi? C'est un système de dons, on va dire entre guillemets gratuit. C'est vous regardez une publicité, ça donne quelques centimes au créateur. Donc, ils ont sorti du coup l'application et ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Je l'attendais l'application depuis un bon petit moment. Ça fait peut-être un mois, 2 mois là environ que l'application est sortie. Encore quelques petits bugs, mais rien de bien méchant. Donc voilà, ça fait un bon moment que j'attends. Hein. Ça fait peut-être un an que je suis sur Utip. Donc à peu près, oui, à peu près un an aussi que j'attends l'application. Et voilà, du coup je vous la présente. Peut-être que d'autres youtubeurs vous l'ont présenté. Donc voilà, moi je sais que je vous la présente parce que j'ai envie de la présenter. J'ai envie qu'elle soit partagée sur ma chaîne, que vous ayez mon point de vue. Après, vous la regardez ou vous la regardez pas. Voilà, ça c'est votre choix. Donc c'est à peu près pareil que sur le site web. C'est juste un peu plus, on va dire, compact. Compact, oui. Donc voilà. Déjà, quand on ouvre l'application, on se trouve, enfin, quand on est déjà connecté, on se trouve sur l'accueil qui est en bas. En bas à droite, quoi, du coup, hein, la deuxième en partant de la droite, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais peut-être vu un peu plus, ouais, tout à gauche, au pire, parce que là, du coup, c'est un petit peu bizarre. Après, on a le suivi, donc les chaînes sur lesquelles je suis, donc voilà, les créateurs que je suis, donc la team Utip, Adbric Production, la team Gaming, donc voilà, et ainsi de suite. Mon petit dashboard, donc voilà. 18, donc ça doit être le nombre de personnes qui m'ont suivi. J'ai 0 fire tappers et j'ai une personne qui me suit, ma communauté. Donc a priori, voilà, c'est un petit peu long, hein, à des moments c'est un peu plus long. Donc voilà, 18 personnes qui me suivent, fire tippers 0 et des tippers j'en ai un. Donc mon solde est de 9,32 €. Donc voilà, donc là on peut voir un petit peu, ça bug un petit peu. Donc là on a sur ma page de profil, je peux regarder une pub, faire un don, créer mon shop. On voit les revenus sur les 30 derniers jours, les revenus, les dons. Donc voilà, moi j'ai mis un objectif de 90 € pour des objets pour déballage, donc que j'achète des produits puis que je vous les présente. Donc on voit aussi mes dernières vidéos, donc là le 11 juillet on est le 16 au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, une des vidéos, on peut regarder la vidéo, enfin regarder une vidéo de pub. On peut cliquer pour lire la vidéo, donc là je me mets des petits likes, donc voilà. Donc après on a mon profil, quand peut-être pas y aller. Après on a le shop, publier sur Utip, créer un support link, l'overlay live, donc ça quand je fais des lives Twitch y est bien entendu. Donc, gérer votre shop, créer un produit. J'ai pas créé de produit, j'ai pas créé de t-shirt. Pour moi, je sais pas si ça vaut le coup pour le moment d'en faire. J'ai pas assez une communauté fiable et puis actif. Donc, c'est pas ce qui vaut pour le moment le coup. Vendre un produit, donc bon, j'ai pas fait non plus. Si, il doit avoir juste des codes 48 heures pour Xbox Live. Éditer le profil, connecter ses réseaux. Donc voilà, c'est rien de bien compliqué, hein. Donc moi ce que je voulais surtout c'était l'application, c'était pour savoir mes revenus, qui me suit, qui me suit pas, et puis voilà, pouvoir faire des retraits et ainsi de suite, hein. Donc ça c'était pour moi une partie le plus important, de modifier mon profil aussi. Donc voilà, pour moi ça c'était vraiment primordial. Donc là actuellement je suis en train d'appuyer sur accueil, mais a priori ça a l'air de bugger. Hop, on va la rouvrir. En espérant qu'elle ne me fait pas bug. Ok, donc découvrir. Donc là voilà, c'est un petit peu bizarre. Mon téléphone est en mode sombre, hein, automatique. Il est en mode sombre, donc voilà. Donc normalement tout l'application devrait être en mode sombre. Et là, je vois qu'il n'y a que découvrir qu'en mode sombre. Donc il y a peut-être une option encore à rajouter, à configurer du coup dans le Utip. Et voilà, du coup là dans découvrir, on voit un petit peu toutes les chaînes des autres créateurs. Donc, hop, on a une notification aussi. Pas mal de notifications de haut poste, général, tout ça. Donc, vraiment pas mal de petits trucs. C'est un Utip web en version application. Et ça, pour moi, c'était vraiment un point très, 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 très important. Donc, voilà.
Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette application. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Utip. Hein. Donc si vous avez juste à suivre, hein, c'est très simple, c'est gratuit. Regardez des pubs aussi, c'est vraiment pas mal. Ça me permet d'acheter du matos pour pouvoir faire des vidéos sur des produits que vous n'avez pas spécialement vous les moyens d'acheter, que vous voulez, que vous ne savez pas trop s'il faut acheter ou pas. Moi je vous donne mon point de vue, puis après vous voyez si vous voulez acheter ou pas. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette application. Je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo.